À la une de l'actualité, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité des attentats qui ont ciblé deux villes en Syrie et fait plus de 140 morts. Une série d'explosions a frappé la capitale syrienne Damas et la ville d'Homs, faisant au moins 140 victimes. À Damas, les bombes ont explosé près des écoles au moment de la période d'affluence du district de Saïda Arzenab. L'agence de presse syrienne Sana a indiqué qu'au moins 80 personnes ont été tuées et 170 autres blessées. Le quartier abrite l'un des lieux sacrés de l'islam chiite, gardé par le Hezbollah libanais et par d'autres miliciens chiites. Un habitant raconte l'explosion. Je dormais chez moi, en haut, quand j'ai entendu la première explosion. Elle s'est produite juste ici. Environ 5 minutes plus tard, alors que j'appelais l'ambulance, une deuxième bombe a explosé. Un homme a fait exploser la bombe qui se trouvait sur lui. Encore 5 à 7 minutes plus tard, un deuxième homme s'est fait exploser. J'étais ici à le regarder.